Ça y a un mois là, depuis que doit cap croiser un pile monde peuple pour monde là pas revivre de moments cauchemar, il vivent déjà dans affaire la guerre. Monde là connaît deux gros bouts de toton guerre déjà. Guerre ça a touché tout continent. Alors si yo relé guerre mondiale, tout le monde qui connaît histoire de guerre ça a pas jamais souhaité pour monde là revivre moment ça encore. Si ça a fait c'est des millions et des millions de monde cap mourir. Il y a monde qui aller plus loin qui dit milliards. Puissance nucléaire qui gagne qu'on y a. Eh bien, regardez nous, ça qui passe dans le monde là qui fait le connaître deux guerres ça qui passaient déjà. Première et deuxième guerre mondiale. Là, on a commencé avec la première guerre. 28 juillet 1914, c'est date ça l'histoire qui est pour commencement première guerre. Mais il faut que nous connaissions une pile action qui dépassait déjà, qui t'a pris mener nous dans la guerre ça. J'ai noué quatre mondes là, aujourd'hui, en 1914, surtout en Europe, li pat kon sa. Je dis, ou gen Autriche, Pologne, Hongrie, Croatie, Slovaquie, Roumanie. À l'époque, c'était un seul empire qui te pote non Autriche, Hongrie ou bien empire Austro-Hongrois qui te gen tout territoire sa oum sot site la en dan. De l'autre côté, ou jouen empire russe, empire ottoman qui vin sur qui je dis, Allemagne, la France, Italie, nous avons une bonne idée. En Europe, c'est côté qui toujours a gagné. Dans l'année 1870-1871, la France lance une guerre contre l'Allemagne. La France perd la guerre. Et l'Allemagne prend partie dans le territoire qui c'est l'Alsace-Lorraine. Français ont énervé, vivent ça à Bouilla. De l'autre côté, on va jouer nos bat-bouches qui mettent face à face Autriche-Hongrie et Serbie. C'est ça qui passe. Depuis 1580, Bosnie-Herzégovine n'a même empire ottoman. En 1878, la population Bosnie-Herzégovine qui c'est serbe levée grand pays. Dans un accord, l'Allemagne prend dit trop pas. Les Kounia, Bosnie-Herzégovine prend sous contrôle Autriche-Hongrie. Kounia, empire russe avec toute Serbie, vous voyez bien, yo pas d'accord. Yo vle se ak Serbie pour Bosnie-Herzégovine unie. Là, il y a une tension entre Serbie et Autriche-Hongrie. Et Allemagne qui gagne d'un contre la France, ajouté sous ça l'idée des décisions qui fait Russie et Serbie fâchée. Il sentit ça qui a aggravé en 1882, il a joué Autriche-Hongrie et Italie, même si Italie prend le quitter après. Pour le dire, faut que nous campions en bloc là pour nous défendre tête nous, pour n'importe ça qui est arrivé. Comme ça, trois pays. Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, si yon un accord qui est le triple alias ou bien triplis pour défense pour si t'as une attaque. Déjà, Autriche-Hongrie te gagne un empire russe là. La Russie qui te gagne fait le gros menace. En 1912-1913, yo, Serbie sentit puissant assez, il tombe à menacer Autriche-Hongrie pour question Bosnie-Herzégovine. Et il y a un groupe serbe qui est Bosnie-Herzégovine qui n'a pas digéré question Bosnie nommé Autriche-Hongrie. Eh bien, 28 juillet 1914, François Ferdinand qui était prince Autriche-Hongrie a fait visite Bosnie-Herzégovine à madame ni comme c'est lui qui a géré le territoire. Pendant que c'est dans la capitale Bosnie, qui c'est Sarajevo, un jeune étudiant serbe nationaliste gravit le principe met balle sous yo. François Ferdinand avec madame ni mourit. Même si c'était un conflit entre pays avant, mais c'est causé ça qui pourrait déclencher la première guerre mondiale là. Et bien ça qui passe bien rapide, Autriche-Hongrie dit c'est Serbie qui montait courant pour faire assassinat. Et Allemagne qui s'est metté seigneur en Europe dans le moment et qui n'a trip alliance avec Autriche-Hongrie fait déclarer Serbie la guerre. Et Serbie était toujours gagné la Russie qui a couru Allemagne déclaré la Russie la guerre d'où. Et la France lui-même qui a un problème Alsace qui l'a géré avec Allemagne, vient nous c'est une occasion en or pour marcher sur Allemagne. Et depuis 1892, pendant Allemagne a rapproché de Autriche-Hongrie, la France, la Russie, à Royaume-Uni, nous avons Angleterre, trois saillants formés un clan, ils ont tripentante qui ont officialisé en septembre 1914. Qui donc, si nous suivons bien, nous avons l'Europe qui est divisée en deux camps pour mener la guerre. Ils ont côté où jouent une triple alliance. Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. De l'autre côté, où jouons triple entente, la France, la Russie, Royaume-Uni. Depuis août 1914, tout gros pays a été rentré dans la guerre. Sauf l'Italie qui a fait un petit campé qui a observé. Allemagne qui était pichot parce que c'était la première puissance militaire dans le monde. Bien rapide, il a envahi Belgique pour le décarjon de la France. Puis bien. Première gros bataille de guerre, après le fait 22 août 1914 dans Aden. Côté l'Allemagne rentré, elle a bombardé la France. Pendant la main, les Français ont été en bois. Dans l'autre bois, ils arrivent dans Tannenberg pour mettre coup de zame sous Russie. En octobre 1914, Tripalieslan prend le renforcer. Empire ottoman, avec toute Bulgarie, prend le rentrer dans le jeu. Là, la bataille la est presque dans toute Europe là, qui ont parti en Asie. Côté Empire ottoman, tap firaille. Même 1914, ça, on prend le jeune Japon qui campait en 4-4-2 en Asie, qui va le rejoindre Tripotente. Bien rapide, il va le mettre blocus pour empêcher bateau, marchandises allemandes passé. Elle pourrait tout profiter tout pour le peser pour la Chine. 15 avril 1915, Italie qui a commencé avec M. Tripalienso pour le quitter pour le joindre M. Tripotente. Italie qui n'a pas même préparé pour la guerre, donc la veille côté force là pour
pour jeter, il va égarer. Sorti 1914 pour arriver 1917, c'est pas deux gros confrontations qui pas fait sur chaque territoire en Europe qui fait plusieurs centaines milliers de morts. Bataille en Arménie, bataille Gallipoli, bataille Verdun, bataille Jutland, bataille de la Somme. Ah, chrétiens vivants tombés tout bon sous site bataille ça yo. Pour Afrique la même, c'est pas une puissance qui là qui pourrait déclarer l'autre pays la guerre, mais l'autre bord ça gagne pile colonie européenne, donc Europe pourrait utiliser Afrique là soit pour prendre soldats parce que pour guerre ça fait été employé plus passer 60 millions soldats ou bien ils utilisent territoire africain pour attaquer l'autre territoire. Là nous on peut parler de Américains. Pourtant États-Unis était dans guerre ça tout. Guerre a commencé États-Unis il était neutre même Jacques la Suisse, l'Espagne, Danemark, Norvège, mais comme il y a blocus en Europe, marchandise pas passer facile, donc Américains choisit aider pays tripotent la France, la Russie, Royaume-Uni, n'envoyer bateau provision ba yo. Bien rapide, Allemagne range col pour attaquer bateau sa yo. 7 mai 1915, Allemagne coulé Lusitania, yon bateau anglais qui tap sorti New York qui pral en Irland. 1959 moun mouri, la dan yo 128 Américains. Allemagne allé plus loin, kote yo voye un télégramme bay Mexique, kote yo mande Mexique pour le camper en face États-Unis. Anglais ou tu un message ça, yo voye le bay Américain yo. En avril 1917, États-Unis dit ça c'est trop tard, il déclare l'Allemagne la guerre et puis il voye 2 millions de soldats en Europe à le mettre principe. C'est dans la guerre ça, un pile pays a commencé à essayer quelques technologies de guerre. Avant, ils ont utilisé avions pour surveiller pays ennemi. Kounia, avion vient servir pour laguer bombes sur l'autre pays. Chablin de fait. Quelqu'un sous-marin de guerre même, c'est pas parlé. Ils ont même utilisé gaz toxique pour étouffer moun dans la guerre ça. En 1917, situation pral commencé à changer. En premier, avec la Russie, côté empire pral nan problème. Yon révolution pral éclaté. L'autre bord ça, côté monsieur Bolchevik, yon pral gaye jouet là et même prend pouvoir. Kounia, la Russie vient obligé abandonner la guerre pour la concentrer sur problème interne. Ça monsieur tripotant yo fait bien rapide yo encercler Autriche-Hongrie ak tout empire ottoman yo mette sa yo à genoux. Là rete Allemagne kounia. Déjà c'est li te pichon nan guerre. Pendant ap marché pour Allemagne, instabilité pral éclater en Allemagne. En plus ou pa jwenn Portugal qui pral rejoindre monsieur tripotant yo qui pral tomber saisi bateau marchandise allemand qui donc Allemagne vinn bloquer tout côté, vinn jwenn famine ap ravager pays a, révolte gay dans tout coin, Allemagne vinn pa capable. 11 novembre 1918, bonheur, Allemagne signe armistice, yo d'accord, yo perdu. Donc là, première guerre mondiale là prend fin là. Bon là tout pays ouais, guerre crasé Europe plate, caille, wood, usine, plus passé 18 millions moun mouri, 20 millions moun blessé, endommagé. Donc 28 juin 1919, en France dans Versailles, monsieur yo signé un traité qui mettait fin à tout conflit ça, yo relèl traité de Versailles. Dans le traité ça, il prend une résolution pour créer une organisation qui est les sociétés des nations pour garantir la paix dans le monde là. Donc nous c'est pas aujourd'hui il a créé une organisation qui pas utile monde là hein, même Jean va le faire à ONU après deuxième guerre mondiale là. Ensuite yo prend sanction contre Allemagne. Yo dit c'est lui-même à allié lui qui responsable guerre. Faut il dédommager un pile pays, faut il remettre territoire parmi le territoire il prend mais la France, yo prend colonie te gagner, yo prend pile zami te gagner. Cause ça qui pral rendre un pile allemand frustré, yo senti son humiliation qui pral créer place pour une deuxième guerre encore. Après traité ça tout, on pral joindre Autriche-Hongrie divisé qui pral bailler Autriche, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie et puis Royaume Serbe qui pral Yougoslavie après, empire ottoman crasé, li vinn bay la Turquie ak l'autre territoire. Donc, guerre ça impliqué un pile changement en niveau. Ça c'est pour première guerre mondiale là. Pour y a en ouais deuxième guerre mondiale là. Guerre ça t'a pas éclaté 1er septembre 1939 pour le prendre fin 2 septembre 1945. Qui donc 6 l'année garçon coup femme a tombé, 6 l'année tout ça qui t'est construit a détruit et 21 l'année seulement après première guerre mondiale là fini. Même j'ai avec première guerre, il y a plusieurs raisons qui pourraient mener nous dans deuxième guerre mondiale. En 1919, tout pays Yoshita, il dit si monsieur pas gagne raison pour nous à goumen là en bosé. Il mettait sous pied société des nations pour empêcher guerre faite dans monde là. Toutes ces blagues. Pas blême de dire nous dans fin première guerre mondiale là, il était chargé l'Allemagne. Il perdit 20% dans territoire, faut le payer dette et dette ça au pas gagne gros impact sur économie Allemagne. Donc en pile allemand senti causer ça son humiliation lui. Ça a arrêté là la bouille. Blip, en 1933, Adolf Hitler monté gros chef en Allemagne. Citoyen ça, pral bouleverser Europe là. Avant Allemagne pral gagner Rwanda, Italie côté pal a fait causer. En 1935, il pral débarquer en Afrique pour aller mettre coup de zame sur Éthiopie pour le mettre main sur pays.
Or, yo tous les deux dans société des nations. En 1939, li envahit Albanie, la yes accord pas respecté en grand monde là. Et Japon lui même qui était toujours voulait dominer toute Asie. En 1931, il pourrait envahir Mandchourie, Chourie et puis toute la Chine en 1937. Tout côté dans monde là, bal commencer à péter. Pour Albanie lui même, il pourrait commencer sortir griffe li. En 1938, il pourrait mettre mes sous Autriche en Europe. Toute puissance fin déborde, faut qu'il prenne territoire l'autre, faut qu'il domine l'autre, mais ça qui peut déclencher guerre ça là même, c'est action Allemagne. Première guerre mondiale la fini, yo signé un accord pour d'accord la paix. Pologne tout collé à l'Allemagne. Y a un petit bout de terre qui tout préoccupé les Danzig. Comme il était toujours à bail problème, le traité 1919 la signé, yo mettait l'indépendant. Il pas pour ni Pologne ni pour Allemagne. Hitler même qui tellement bacol, il besoin faire route passer dans bloc là. Il demandait monsieur Polonais permission. Monsieur pas voulu. Monsieur qui besoin attaquer Pologne, ça le fait, il montait un plan. Du 31 août 1939, il prend quelques Allemands, il mettait un uniforme polonais sous eux, il fait à l'attaquer une station radio, Allemagne était gagné dans la ville Gliwice en Pologne. Il fait ça, une façon pour tout le pays où est, c'est soldats polonais qui attaquaient une base allemande. Eh bien, 1er septembre 1939, bonheur, Allemagne prend la République Slovaque, il prend l'URSS. Il a l'attaqué Pologne. Coup de marée. Polonais qui n'ont pas pour qu'il y ait bataille là, ils ont demandé la France à l'Angleterre concours. Dans le premier moment, yo, la France juste voué quelques armes à Pologne, même Jean-Nouvel-Fell à l'Ukraine, je dis. L'Allemagne fait attaque le 1er septembre, la frappe dans un bord. Et puis 17 septembre, l'armée rouge, qui c'est l'armée URSS là, prend l'autre bord pour coincer Pologne. Ça qui passe, mais depuis 23 août 1939, Allemagne et l'URSS signé un accord côté yo dit yo pas goumé entre eux, y a géré relation yo bien et Royaume-Uni en dit Angleterre depuis 31 mars qui te gagne un petit nou entre Pologne et Allemagne. Il dit Polonais tête frais depuis Allemagne attaqué, li même tout la banvail. La France côté parle dit Pologne même bagarre là. Kounia yo attaqué Pologne 1er septembre, 3 septembre la France avec tout Royaume-Uni déclaré l'Allemagne la guerre. Dit Royaume-Uni ou empire britannique en plus de Angleterre qui dans les gonds bonnes notables, ils ont tout prêt à déclarer l'Allemagne la guerre. Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud. De septembre 1939, tension élevée à côté de plusieurs pays, ils ont déclaré l'autre la guerre. Pour arriver jusqu'à mars 1940, pas de jamais de gros confrontation. Arrivé en avril 1940, Allemagne envahit Norvège avec tout Danemark. Parce que Hitler senti à n'importe quel moment, Royaume-Uni avec toute la France qui arrivait sous lui. Et faut qu'il joue une route pour le approvisionner tête lui. Guerre après bien pris, c'est en mai 1940. Côté Allemagne, Kounia prend l'envahit Belgique, Pays-Bas et toute la France. Hitler qui est en tête Allemagne, ça le voulait, c'est qu'il a contrôlé tout le pays qui entoure lui avant l'autre puissance réagit. 10 juin 1940, Italie qui était en signé un accord avec Allemagne qui est le pacte d'acier pour rentrer dans la guerre quand elle pourrait déclarer Angleterre avec toute la France la guerre. Coup de zame commence bon à tomber en Europe. 22 juin 1940, la France qui n'a pas qu'à courir qui était guerre, il signe un armistice, il dit qu'il n'est pas en guerre encore. Et bien là, l'Allemagne tout mette mes sous territoire français. Japon lui même qui te met Asien, fait Allemagne à Italie qui te get à chauffer Europe la rone, yo se met Europe la, lui même il se met Asia, faut que mette tête yo ensemble pour yo kage plus force. C'est comme ça, 27 septembre 1940, Allemagne, Japon, Italie, Ayotwa, yo si yon pacte tripartite sous nom pays de l'Axe, ça c'est Noyoa, mais il va charger l'autre allié pour bien mener guerre. Dans l'autre bois, où je Royaume-Uni avec la France qui est le camp à Yoao même, pays allié côté États-Unis pour aller rejoindre. Après, si joue à passer, bon map tombé, coup de zam map chanté, pays que t'as observé après entrer dans la guerre, pour algon événement qui va étonner tout le monde dans la guerre. Ça. 22 juin 1941, sous nom opération Barbarossa, Allemagne pral envahi URSS qui était dans même camp avec elle. Pas bien de dire nous c'est Allemagne avec tout URSS qui était envahi Pologne. Hitler fait ça c'est parce qu'elle considère monsieur URSS comme une bonne lâche avec tout l'océan Union. Pour monde qui pas connaît URSS là c'est Union des Républiques Socialistes Soviétiques qui était prend naissance en 1922 qui était gagné dans la Fédération Russie, Ukraine avec un bon autre territoire en Europe. Hitler dit yo pas ici là rien. Léo sous homme. Mussolini qui était notre tête Italie, qui s'est allié Hitler, bien rapide, il suivait Hitler, il voyait la mêle à frapper URSS tout. Tout le monde connaît États-Unis, c'est un pays qui a gagné la deuxième guerre mondiale. Là. Mais il faut nous demander qui Jean et puis qui l'a pour rentrer dans la guerre. En ouais. Dans les années 30, le Japon fin à Oyo en Asie. Il devait mettre tout le pays qui est dans la région sous contrôle net. Depuis 1931, c'est misère, la Chine t'a passé en balle. Mais États-Unis, qui a observé, il y a aussi des gens inquiétants façon Japon a poussé. Premier, ça le fait, il coupe l'exportation.
plantation assez à pétrole qui était envoyé l'autre bord. Il y a les pilons qui ont même prêté la Chine ZAM pour combattre les Japonais au pibier. Japon qui besoin pour l'autre pays l'autre bord, il estime les États-Unis qui ont intervenu parce que les États-Unis ont une base li dans l'océan Pacifique là qui était Hawaï. Japonais qui besoin de toute région en Amérique. Ça a fait 7 décembre 1941, Bonne, ils ont bombardé une base navale américaine qui était Hawaï qui était relé pile à bord. Japon fin à Hawaï, même moment, il envahit les Philippines, il envahit Malaisie. Quand ils ont attaqué, eh bien, 8 décembre 1941, États-Unis ont été considérés comme un pays neutre pour aller rentrer toute longueur dans la guerre. Côté le prêt déclarer Japon la guerre et puis le rejoindre groupe allié Royaume-Uni avec la France. 11 décembre 1941, Allemagne et tout Italie dit USA, si vous déclarez Japon qui s'est allié nous la guerre, c'est nous-mêmes qui déclarer la guerre. États-Unis qui ont si clan pas le prêt garder. En 1942, Brésil, Mexique déclarer l'Allemagne la guerre. Même Haïti Ah tiens! On va dans l'autre vidéo. À partir de moment ça, tout côté sous planète là, c'est la fumée qui a levé. Tellement bombe a tombé et puis moun a mouri. 1943 rentré, donné au pral commencé à changer. Italie commencé à faire en deux. Yon groupe en Italie levé campé contre Mussolini qui était dans tête Italie. Yon pral même mette la prison. Si malgré Hitler a mette point pour la gueule parce que c'est allié, mais Italie te getan gaillé. Le nouveau gouvernement pral monté pral même virer Dubaï pays de l'action. Il y a le jeune pays allié. Dans la tête de pour pays de l'action, il était Allemagne avec Japon. Dans le commencement, la force était côté pays de l'action. À partir de 1943, c'est pays allié qui a frappé. Même la France, Allemagne était pris, pays allié pour le mettre le dehors. En 1945, pays allié a déclaré. Tout pays qui accepte de déclarer l'Allemagne la guerre, il a des chances pour participer à la conférence pour fonder les Nations Unies. Ah, tout petit pays qui était faible, qui était peuple, qui n'a pas attaqué autant des Nations Unies pour le former, ah, il a tout tombé déclarer l'Allemagne la guerre. Paraguay, Pérou, Syrie, Liban, en tout 51 pays déclarer l'Allemagne la guerre. Même si pas de gros décision militaire qui prend l'action ça, mais l'Allemagne était senti lien cerclé. Mais puissance alliée, États-Unis, Royaume-Uni, continue à bombarder Hitler. Bon map tombe sous l'Allemagne, la préblie, jusqu'à ce qu'il vienne faire, mais il n'y a pas qu'à faire rien encore. En avril 1945, Hitler well coincé tout mauvais. Li ba ou yon bal nan tête, monsieur, tout est tête. Et en mai 1945, Allemagne déclaré li abandonné guerre, li accepté le perdu. En pile moun te gete considéré ça comme fin deuxième guerre mondiale. Mais te vini rete Japon en Asie, kap défend territoire en face américain. Ah, malchance pour Japon. États-Unis pral bal yon surprise, pa gen moun ki te wè sa ap vini. En août 1945, États-Unis lage deux bombes atomiques dans deux villes Japon. Hiroshima ak Nagasaki. Li rase yo plate. Là, pas de pays pour s'arriver pour le camper gourmet. Eh bien, 2 septembre 1945, Japon dit qu'il n'est pas capable encore d'abandonner les signes amnistie, victoire pour pays alliés. États-Unis, Royaume-Uni, la France. Pendant 6 années de guerre, c'est plus passé 60 millions de personnes qui mourent dans le monde. Tout pays en Europe est presque écrasé, plat. Pour ça, pas répéter encore, mais si vous réunissez, vous mettez l'organisation sous pied. Oui. ONU, Organisation des Nations Unies. Il est là pour garantir la paix dans le monde et puis pour développer bon genre de coopération entre pays et pays. C'était pour ONU depuis 24 février 2022 à la troisième guerre mondiale. La table a éclaté longtemps. Je nous souhaite une petite explication de ce bail pour ça, le monde vit déjà. Pas de monde qui a jamais souhaité revivre ça. Moi-même personnellement, je n'ai pas envie. Pour génération nan wè en troisième guerre mondiale. Bon, toute génération. Gen yon pil ti kozi encore, m ta ka toujours 10 ou 2 guerre ça, mais m'oblige kanpe là. J'aime toujours aimer là, c'est pas faire trop long pour message là ka passer, puis bien. Peace.